vous allez bien? Donc je reviens pour une nouvelle vidéo. Donc je serai habillée pareil sur plusieurs vidéos parce que je reviens de vacances, j'ai beaucoup de vidéos à filmer en retard, quoi, pas en retard mais à filmer. Donc j'ai mes hauls de vacances, mes vlogs, j'ai un haul que je vais vous filmer. Donc en fait j'ai été vite fait à Babou comme ça et j'ai trouvé des choses pour mon fils et il y a un petit peu d'action et quelques trucs noces. Donc on va commencer tout de suite. Bon, je vais déjà vous faire voir. Action. J'ai pris des, je sais pas comment ça s'appelle, boîtes figurines en bois. Donc comme ça, été. Je compte faire un petit album de mes photos d'été. Et j'ai pris celui-ci aussi. J'essaierai de vous mettre les prix quelque part si je trouve le ticket. Si, voilà. Après, j'ai enfin trouvé ces blocs Action. Ceux-là, je sais qu'ils coûtent 1,99€. Donc c'est Memory celui-là. Donc c'est thème bleu un peu. Je vais vous faire voir quelques feuilles. Donc voilà. Donc ça c'est trop top. 2 euros un bloc comme ça de je sais pas combien de feuilles. 24 feuilles. Comment vous dire que c'est rien. Une feuille en scrap ça coûte une blinde. Donc franchement Action pour ça c'est top top top. Donc j'ai pris aussi celui-ci. Le Style et Beauty. Donc voilà, c'est le thème un peu rose, girly. J'aime trop. Donc pareil, 1,99€. Donc ça, j'étais super contente. Il y en avait d'autres. Mais bon, voilà, je pouvais pas tout prendre. Hein. Donc après, on a trouvé des petits stickers comme ceci, smiley. Donc trop top. Donc mon fils les a voulu. Donc hop, ils sont super sympas. Je crois que je les ai payés 62 centimes. Et on en a pris un autre comme ceci. Hop. Et ils font même les décos smiley pour les anniversaires. J'ai trouvé ça trop bien. On a trouvé, il y en a combien? 3 cahiers comme ceci smiley. Donc direct je les ai pris. Alors on retourne dans le scrap. Donc j'ai retrouvé des petits blocs comme ceci là pour faire les petites cartes. J'aime bien. Franchement c'est super bien et pratique. Donc vous avez plein de déco et après vous faites comme vous voulez. Là ils donnent les idées pour faire les cartes mais moi la dernière fois j'ai pas fait comme ça. Donc après c'est à vous de faire comme vous avez envie. Donc j'ai pris celui-ci. J'ai pris celui-ci. Donc voilà pareil derrière ils vous donnent les idées comment faire. Mais bon moi je ferai à mes envies. Hein. Donc c'est sympa parce qu'en fait vous découpez, vous collez dessus, vous faites... Voilà. Et j'ai pris celui-ci. Donc j'aime beaucoup. Hop. Donc franchement c'est super sympa. Et ça coûte rien. Et pour finir, j'ai pris celui-ci. Donc voilà. Franchement super. Pareil, vous donne bah, les idées pour faire. Donc voilà. Après, on est tombé sur ça à Action. Donc il y avait, parce que mon fils aime bien Disney et aime bien Star Wars, donc il a hésité, mais il a pris Dory, donc voilà, avec le petit crayon. Donc c'est trop mignon. Après, à Action, j'ai repris des petites piles comme ça, je les aime bien, celles-ci, elles coûtent 1,79€, et elles sont pas mal. Après, j'ai pris des petits... j'ai pris des petits collants comme ça. Voilà, donc ça c'est super sympa pour décorer. Après, j'ai pris des, j'ai repris des petites blocs comme ça. Ils en faisaient des nouveaux, donc voilà, j'ai pris celui-là, Skin Rose. Donc, et franchement, ceux-là ils sont super bien, j'aime bien. Moi. Bah pour faire des petites cartes, c'est sympa. Ah, donc voilà. Et ça, ça coûte 62 centimes. J'ai pris le style baroque. Donc voilà, c'est du vert. Du... J'ai pris le vintage romance. Donc celui-là, j'ai kiffé parce qu'il y avait une page que j'aime beaucoup. Elle est trop belle. Donc ça, franchement, je pense que je vais m'éclater à faire des petits albums avec. Trop joli. J'ai pris le English romance. Donc tout en douceur. Des fleurs. Voilà. J'ai pris le Fairy Tale.
comme ceci. Donc voilà, c'est le même. Voilà, voilà à peu près. Et j'ai pris le Romantic Flow. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Donc, voilà à peu près ce que voilà. Franchement, ceux-là, ils sont trop bien. Moi, j'adore. Donc, pour le scrap, c'est tout. Non. On a pris aussi ça en forme de bonbon. Donc, voilà. Donc, j'agrandis un peu plus ma petite collection de scrap. Donc, j'ai pris pour mon chien une petite gamelle comme ceci. Elle est trop mignonne. Je crois que je l'ai payé 99 centimes. Et on a pris, parce qu'on en a besoin pour ranger les papiers en ce moment, donc on a pris plein de pochettes comme ceci. Elle coûtait 50 ou 60 centimes. Donc voilà, comme ça. Et on a pris aussi celle-ci où vous mettez le document et vous refermez. Donc 89 centimes, je crois. Et on a pris une pochette comme ça où vous pouvez, où il y a plusieurs rangements à l'intérieur. Donc là, il y a de quoi faire. Hein. Donc, action, c'est tout. Il n'y a pas grand chose. Hein. Non, je crois que c'était pas tout. Il y avait d'autres trucs, mais bon. Anos, je n'ai pas trouvé grand chose. Hein. J'ai trouvé une spray, un spray brillant de finition comme ceci. Hop, que j'ai payé 75 centimes. Ça sert toujours. Et j'ai trouvé une eau fraîche esquisse eau de toilette Cartier Paris. Donc comme ceci, elle se présente. Elle est juste trop jolie. Elle se présente comme ceci. Elle sent bon. Donc je cherchais les brumes que tout le monde a trouvées, mais que moi j'ai pas trouvé. Et celle-ci a coûté 3,50€. Donc ça c'était chez Nos. Nose. Et chez Action, j'ai trouvé les petites boucles d'oreilles comme ceci. Donc 99 centimes. Donc il y avait toutes les couleurs, mais bon, pour l'instant, j'ai pris que cette couleur là. On verra la prochaine fois. Donc je crois que là c'est tout pour Action Nose. Vous voyez, j'ai pas trouvé grand chose. Donc on va passer à Babou. Donc Babou, il y avait pas mal de trucs, franchement. Franchement, maintenant, ils font des belles choses pour les enfants. Donc, j'ai pris un pull comme ceci pour mon fils avec la capuche. Hop. Voilà, un court devant et un peu plus long derrière avec une fermeture là. Et pas de l'autre côté, donc juste là. Donc, franchement, il est molletonné à l'intérieur. Il est super bien. Donc, je l'ai payé que 10€. Et il est super beau, donc j'adore. Donc, il était trop content. Après, j'ai trouvé un autre comme ceci, tête de mort, j'adore, avec pareil la capuche, et pareil à l'intérieur il est un peu molletonné. Et celui là je l'ai payé 5€. Comment vous dire que voilà quoi. Et après j'ai pris un haut comme ceci avec des éclairs en noir, avec une petite pochette là. On l'a payé 4€. 4€. Et j'adore, c'est fashion et tout. En plus, je suis dégoûtée, vous allez voir dans mon haul Portugal, j'en ai acheté des comme ça. Et je les ai payés 10€. Donc comment vous dire que j'étais un peu dégoûtée. Mais bon, ils sont pas pareils, mais bon. Donc là, je l'ai pris le même en blanc. Pour 4€, on va pas se priver. Hein. Donc 4€. J'ai pris un bas de survêtement comme ceci, gris, avec une style de fermeture devant et un petit déco comme ça. 7€ le bas de survêt. Et j'ai pris le haut qui va avec en fait. Donc voilà, un peu plus court devant et un peu plus long derrière. Et celui-là, je l'ai payé 4€. Et franchement, ils sont top, top. Comment vous dire qu'ils étaient trop contentes quoi. Et j'ai pris un autre petit haut. C'est vrai qu'il lui fallait des hauts à manches longues. Donc voilà, tout simple, où il y a écrit swag.
Je l'ai trouvé sympa. Je l'ai payé 4 euros aussi. Donc voilà. Et pour finir, à Babou, j'ai trouvé cette doudoune là. Et franchement, elle est super bien. Elle est molletonnée à l'intérieur. Et je l'ai payée. Vous allez pas croire le prix. 10 euros. Et franchement, elle est top. Donc quand j'ai vu, j'ai dit ah non. Franchement, les prix, ça valait le coup. Il y avait des beaux trucs, même là pour les bébés. J'y retournerai. Parce qu'il y avait du Batman, il y avait du Mickey. Et au prix de 4 euros, un truc comme ça, quoi. J'ai dit non, mais Babou, il progresse. Franchement, c'est vrai que j'ai oublié de vous faire voir ça. J'ai acheté ça à Nose. J'ai payé ça 2,50 €. Donc, c'est Skylander. Donc, vous avez des stylos, une règle, des crayons, un taille-crayon, une gomme. Donc, mon fils, quand il l'a vu, il était trop content. Donc, voilà, 2,50 €. Franchement, c'est pas cher du tout. Je crois que j'ai rien oublié. J'espère. Non, je crois que c'est tout. Voilà, c'était vraiment un petit haul, mais j'avais envie de vous faire voir. Et j'ai besoin de ranger. Parce que là, il y en a partout entre mes valises que j'ai fini à peu près de ranger. Mais j'ai mes hauls vêtements de Portugal affinés. Mes hauls make-up. Toulouse qui est à côté. Bref, donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.